Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons commencer ce webinaire, cette session, cette séance de formation. Donc, bonjour, je m'appelle, ou bonsoir, je m'appelle Michelle et je suis la formatrice du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés ou PFPR dans la région d'Ottawa. Et je suis accompagnée de ma collègue Lydia, qui est à Toronto. Donc, elle a aussi, elle est une formatrice du programme de parrainage, formatrice francophone du programme de parrainage privé des réfugiés. Donc, nous allons animer la séance aujourd'hui qui aura une durée d'environ 1 h 30 minutes. La séance sera enregistrée. Donc, on vous enverra un lien pour accéder à l'enregistrement ainsi que les diapositives de la présentation dans un courriel de suivi. Donc, le but de la séance, le but de cette séance est de vous annoncer des changements au mode de soumission des demandes de parrainage de réfugiés à IRCC. Donc, seulement pour que vous puissiez vous préparer mentalement. Ces changements seront lancés cet automne. Donc, la séance ne donnera pas de survol sur le programme de parrainage privé des réfugiés en général, mais se concentrera sur le mode de soumission des demandes. Donc, on présume que vous avez certaines connaissances de base sur le programme de parrainage privé des réfugiés, mais si vous n'en avez pas et que vous voulez obtenir une vue d'ensemble du processus de parrainage, n'hésitez pas à nous demander une séance de formation générale sur le parrainage privé des réfugiés. Donc, nous vous donnerons nos coordonnées à la fin de la séance. Et si on a le temps à la fin de cette séance, on pourra répondre à des questions plus générales. Donc, au cours de cette séance, nous n'allons pas expliquer comment remplir les formulaires de demande de parrainage en ligne, mais une fois que le nouveau portail en ligne de soumission des demandes aura été lancé, on vous offrira une visite guidée du portail et comment soumettre les demandes de parrainage de réfugiés par son entremise. Donc, vous recevrez tous un lien d'inscription pour vous inscrire à la visite guidée, ainsi qu'un autre webinaire, donc sera une autre séance, portant sur les nouveaux guides et les formulaires qui vont accompagner ce nouveau mode de soumission des demandes. Donc, ces séances supplémentaires auront lieu plus tard cet automne, donc restez à l'affût. Alors, en résumé, cette séance est notre première rencontre sur le nouveau portail numérique de soumission des demandes, mais nous aurons d'autres occasions pour partager des renseignements plus concrets et des ressources pour vous aider à vous en servir. Donc, puisque nous nous rencontrons aujourd'hui en mode virtuel, je voudrais commencer par reconnaître que nous trouvons dans des différentes régions de ce qu'on appelle maintenant Canada et que nous résidons sur le territoire traditionnel de plusieurs Premières Nations. Donc, moi, je m'adresse à vous aujourd'hui du territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, dont le peuple entretient encore aujourd'hui des relations historiques avec la terre et l'eau. Je vais passer le micro à ma collègue Lydia. Merci beaucoup, Michel. Et comme Michel a dit tout à l'heure, moi, je vous rejoins à partir du Grand Toronto ce soir. Et le Grand Toronto, ce qu'on appelle maintenant le Grand Toronto, est le territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishinaabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat. Ce même territoire abrite maintenant de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Et la ville de Toronto est couverte par le traité 13 avec les Mississaugas de Credit. On vous invite à consacrer du temps à l'apprentissage, à la réflexion et à la reconnaissance de l'histoire des peuples des Premières Nations dans votre communauté et à réfléchir à comment nous pouvons chacune et chacun de notre façon avancer dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Et sur ce, je vais repasser la parole à Michel. Merci, Lydia.
Donc, on va maintenant vous expliquer comment vous servir de la plateforme GoToWebinar si c'est la première fois que vous utilisez cette plateforme. Donc, lorsque vous êtes connecté à GoToWebinar pour le webinaire, vous auriez normalement dû voir apparaître une fenêtre qui vous demandait de tester votre son, puis un panneau de configuration qui ressemble à celui qui se trouve sur l'écran à ce moment. Donc, si vous n'arrivez pas à voir ce tableau de configuration, c'est peut-être parce qu'il est replié. Donc, dans ce cas-là, cherchez du côté droit de votre écran une petite flèche orange comme celle-ci et cliquez dessus pour faire apparaître le panneau de configuration au complet. Donc, si vous n'arrivez pas à voir ce panneau, donc cliquez sur la petite flèche orange et à ce moment, vous êtes tous en sourdine, c'est-à-dire sur mute. Mais il y aura une période de questions après notre présentation et vous pouvez poser des questions de deux façons. Et la première façon, vous pouvez cliquer sur la boîte à questions déroulante. Donc, vous cliquez sur cette boîte vers le bas du panneau de configuration. Et en tapant votre commentaire ou votre question, dans l'espace prévu pour les questions, vous pouvez en fait taper votre question à n'importe quel moment pendant la présentation, mais nous répondrons à toutes les questions à la fin. Vous pouvez aussi poser votre question de vive voix si vous préférez. Donc, cliquez sur l'icône de la main que vous voyez à ce moment pour signaler que vous voulez poser une question ou faire un commentaire oralement. Donc, nous allons alors allumer votre micro et vous devrez aussi allumer votre micro de votre côté pour qu'on puisse vous entendre. Donc, il y a deux façons. Soit vous tapez votre question dans la boîte à questions ou bien vous pouvez attendre jusqu'à la fin et lever la main et puis on allume votre micro. Donc, voici l'ordre du jour de notre séance d'aujourd'hui. Donc, premièrement, on va vous dire quelques mots sur le programme pour lequel on travaille, donc le PFPR ou programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés. Et deuxièmement, on vous donnera un peu de contexte historique concernant la soumission de demandes de parrainage de réfugiés au ministère de l'Immigration pour que vous compreniez un peu mieux pourquoi les changements qui auront lieu cet automne sont importants. Troisièmement, on va vous présenter les points saillants du nouveau mode de soumission des demandes qui sera lancé cet automne, donc à savoir la soumission en ligne. Et quatrièmement, on va répondre à quelques questions que vous pourrez avoir sur le nouveau portail de soumission des demandes. Et à la fin, on aura du temps pour quelques questions supplémentaires. Donc, on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions pendant la présentation, en les tapant dans la boîte à questions et nous y répondrons pendant la période de questions au cours de laquelle vous aurez aussi la possibilité de poser les questions oralement. Donc, à propos du PFPR, nous sommes un programme national, mais nous ne formons pas les programmes de parrainage au Québec, puisque Québec a son propre système d'immigration et un programme de parrainage collectif de réfugiés qui est différent du programme fédéral de parrainage privé de réfugiés. Donc, les renseignements qui seront partagés dans cette séance ne s'appliqueront pas nécessairement au Québec. Nous appuyons tous les types de groupes de parrainage, à savoir les groupes de cinq, les répondants communautaires et les organismes signataires d'entente de parrainage que l'on appelle communément des CEP, ainsi que les groupes constitutifs et les correspondants des CEP. Donc, le PFPR est financé par Immigration Réfugiés. Je m'excuse. Donc, le PFPR est financé par Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou IRCC, donc c'est-à-dire le ministère fédéral de l'immigration. Et il est administré par Catholic Cross Cultural Services, qui est un organisme d'établissement dans le Grand Toronto.
Donc, même si notre bureau principal est à Toronto, on a une présence à travers le Canada et nous avons des formateurs dans toutes les provinces, à l'exception du Québec, comme vous pouvez voir ici. Nous avons du personnel francophone ou bilingue à Edmonton, Toronto et Ottawa. On pouvait trouver les coordonnées de tous les membres de notre équipe sur notre site web qui vient d'apparaître à l'écran. Donc, sur notre site web ici, vous pouvez trouver les coordonnées de tous les membres de notre équipe. Et on va aussi mettre le lien dans la boîte à questions. Donc, dans le chat, vous pouvez aussi voir le lien. Donc, notre mandat, le mandat du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés, est de fournir de l'information, de la formation et des ressources sur tous les aspects du parrainage privé des réfugiés. Donc, notre public cible, ce sont les groupes qui parrainent ou envisagent de parrainer des réfugiés, ainsi que toute autre personne au Canada qui s'intéresse au parrainage privé des réfugiés. Donc, on soutient les groupes de parrainage de plusieurs façons différentes. Donc, par exemple, il y a des ateliers et des webinaires en virtuel ou en présentiel sur plusieurs sujets différents concernant le parrainage des réfugiés, dont les exigences du programme et le contenu du dossier de demande, ainsi que les obligations des groupes de parrainage et la transition à la vie après le parrainage. Donc, il y a vraiment différents sujets concernant le parrainage des réfugiés. Nous offrons aussi des cours de formation en ligne pour celles et ceux qui veulent approfondir leur connaissance du programme de parrainage privé des réfugiés. Donc, ces cours s'adressent à différents publics. Donc, on a un cours d'introduction qui est pour le grand public, mais nous allons aussi bientôt lancer un cours pour les conseillers d'établissement. Donc, c'est également nous qui offrons le cours obligatoire pour les organismes qui présentent leur candidature pour devenir un signataire d'entente de parrainage, donc pour devenir un CEP. Nous créons aussi des ressources et des outils pour aider les parrains à s'acquitter de leurs obligations. Donc, comme par exemple, on a conçu un outil calculateur du soutien financier qui est sur notre site web, pour que les parrains puissent facilement calculer correctement le soutien financier qu'ils doivent fournir aux personnes parrainées. Donc, nous organisons chaque année aussi un colloque pour les organismes signataires d'entente de parrainage. On diffuse aussi des renseignements et des mises à jour sur le programme de parrainage privé des réfugiés au nom d'IRCC auprès de la communauté de parrainage au moyen de listes de diffusion. Notre site web se veut aussi une ressource complète comportant des fiches d'information, des webinaires enregistrés et des documents d'IRCC sur le programme. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Le gros de notre travail est de répondre aux questions du public sur le programme de parrainage privé de réfugiés, que ce soit par téléphone, à courriel ou sur rendez-vous. Donc, vous pouvez mettre en contact avec soit une formatrice ou formateur dans votre région pour répondre à vos questions sur le programme. On a d'ailleurs récemment inauguré notre ligne d'aide dont le numéro se trouve à l'écran, que vous pouvez appeler de 9 h à 19 h, heure de l'Est, du lundi au vendredi. Donc, il y aura toujours quelqu'un à répondre à votre question entre 9 h du matin et 19 h du soir, heure de l'Est, du lundi au vendredi. Nos formateurs aident aussi les groupes de parrainage à préparer leur dossier de demande en y jetant un coup d'œil avant que les parrains soumettent la demande à IRCC, donc pour s'assurer qu'elle est complète et remplie correctement. De plus, nous jumelons les groupes de parrainage avec des réfugiés sélectionnés pour être installés au Canada dans le cadre du programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas. Donc, ce programme est aussi appelé le RDBV.
Nous offrons aussi actuellement un service de liaison entre les groupes de parrainage et les services d'établissement. Donc, s'il y a déjà quelqu'un qui est arrivé et vous avez besoin d'aide pour les connecter à un service d'établissement, n'essayez pas de nous contacter aussi. On a un service de liaison entre les groupes de parrainage et les services d'établissement. Donc, j'en suis sûre que vous m'avez entendu dire beaucoup d'abréviations déjà. Ah, donc, avant de commencer la présentation, nous voulons vous rappeler certaines expressions et abréviations importantes qui reviendront souvent au cours de notre séance aujourd'hui. Donc, premièrement, on a le mot répondant. Répondant est le mot employé par le ministère de l'Immigration pour désigner à la fois un groupe de parrainage dans son ensemble ou un seul membre d'un groupe de parrainage. Ensuite, vous le savez peut-être déjà très bien, mais IRCC signifie Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, c'est le ministère fédéral de l'immigration. Après, on a le SMGC, qui est le système mondial de gestion des cas. Donc, c'est ce système qui est à la base de données d'IRCC pour gérer toutes les demandes soumises. Ensuite, on a aussi les abréviations SEP, donc signataire d'entente de parrainage. Donc, ça, c'est quand un organisme a déjà signé une entente avec IRCC pour parrainer un certain nombre de réfugiés chaque année. Il y a aussi le groupe constitutif, qui est un groupe, soit un groupe ou un organisme qui collabore avec un SEP, donc collabore avec un signataire d'entente de parrainage pour parrainer des réfugiés. Il y a aussi le groupe de cinq, donc le G5. Donc, groupe de cinq, c'est un groupe de cinq citoyens ou résidents permanents qui s'unissent pour parrainer des réfugiés. Et il y a le RC, donc le répondant communautaire, donc l'organisme qui parraine parfois des réfugiés. Donc, ça, c'est la terminologie et les abréviations qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, l'information principale à tirer de cette séance est que IRCC est en train d'étendre le portail numérique de résidence permanente pour aussi inclure les demandes de parrainage privé de réfugiés. Donc, on s'attend à ce que la partie du portail consacrée aux demandes de parrainage de réfugiés sera lancée cet automne, dans les prochains mois. Donc, restez à l'affût. On vous tiendra au courant aussi de la date de lancement lorsqu'elle sera annoncée officiellement. On tient également à vous rappeler que les informations partagées dans cette séance ne sont valables qu'à l'extérieur du Québec. Donc, si vous avez des questions sur le parrainage collectif de réfugiés au Québec, adressez-vous à la coordinatrice du volet parrainage de la TCRI, qui forment les groupes de parrainage au Québec. Donc, nous mettrons ces coordonnées dans le chat aussi. À partir du lancement du portail pour la soumission en ligne de demande de parrainage privé des réfugiés, le mode de soumission des demandes à privilégier sera ce portail. Donc, alors qu'actuellement, c'est la soumission par courriel qui est privilégiée. Donc, il y aura une période de transition pendant laquelle il sera possible de soumettre les demandes soit par courriel, soit par l'entremise du portail. Et le délai de grâce pour soumettre les demandes par courriel sera confirmé lors du lancement du portail. Donc, dès qu'on vous donne la date du lancement, on va aussi vous donner la date de grâce. Donc, à partir de la fin de ce délai, de grâce, il ne sera plus permis de soumettre des demandes par courriel. Donc, à qui s'applique ce portail? Donc, tous les types de groupes de parrainage et les partenaires de recommandation devront se servir de ce portail. Donc, ça comprend donc les signataires d'entente de parrainage et les groupes constitutifs, les groupes de cinq et les répondants communautaires. Donc, tous les types de groupes de parrainage.
Les utilisateurs pourront accéder au portail à partir du lien qui vient d'apparaître ici à l'écran. On va aussi ajouter ça sur le chat. Mais l'option pour soumettre une demande de parrainage privé n'a pas encore été activée. Donc, il faudra attendre jusqu'au lancement. Mais vous pouvez accéder à partir du lien à ce moment, mais vous ne pourrez pas soumettre une demande, pas encore, parce que le portail n'a pas encore été lancé. Donc, avant de vous présenter les caractéristiques principales du nouveau portail en ligne, on va vous donner un peu de contexte historique pour vous permettre de mieux comprendre pourquoi IRCC introduit ces changements. Donc, avant 2016, les demandes de parrainage privé de réfugiés étaient envoyées à IRCC par la poste. Donc, la préparation des demandes envoyées par la poste exigeait beaucoup de temps et les répondants devaient envoyer une copie papier au réfugié à l'étranger pour que ceux-ci puissent signer les formulaires, puis les répondants devaient attendre à ce que les formulaires de la personne réfugiée et les documents à l'appui leur reviennent, puis les membres du groupe de parrainage devaient s'organiser entre eux pour qu'ils signent chacun ou chacune les formulaires au stylo avant de soumettre la demande remplie à IRCC. Donc, c'est tout un processus. Donc, pour accélérer ce processus, certains répondants envoyaient la demande à IRCC par service de messagerie, ce qui permet aussi de faire un suivi du dossier de demande, mais c'est très cher. Donc, une fois les demandes arrivées à IRCC, les données devaient être saisies manuellement pour les commis à la saisie de données d'IRCC et entrer ces données dans la base de données d'IRCC, donc le Système mondial de gestion des cas, le SMGC. Alors, les délais de traitement des demandes dépendaient du nombre de commis disponibles et de leur rapidité à la saisie de données. Donc, une fois que la demande du répondant était approuvée au Canada, les documents de la personne réfugiée étaient envoyés par la poste au bureau des visas à l'étranger pour le traitement du dossier de la personne parrainée. Donc, ça, c'était le processus jusqu'à 2016. De 2016 à 2023, donc en 2016, IRCC a mis en œuvre un nouveau processus qui permettait de soumettre les demandes par courriel est devenu ce qui est aussi devenu le mode privilégié parce qu'il permettait de traiter beaucoup plus rapidement les demandes. Les répondants aussi, eux, ils pouvaient désormais envoyer ces formulaires et les documents aux personnes réfugiées par courriel et seule la page de signature devait être imprimée, signée à la main, scannée et renvoyée par courriel aux répondants. Les répondants pouvaient soumettre la demande intégrale sous forme de dossier PDF en pièces jointes à un courriel. Donc, de plus, le formulaire IMM0008, donc le formulaire de demande générique pour le Canada, comportait aussi des codes à barres qui contenaient beaucoup de renseignements sur le demandeur réfugié, ce qui réduisait la quantité de données qui devait être saisie manuellement. Donc, les demandes envoyées par la poste étaient toujours acceptées, mais leur traitement prenait beaucoup plus de temps. Parfois même, si les répondants envoyaient les formulaires à la personne réfugiée par courriel, le réfugié lui-même devait quand même renvoyer la demande par la poste au groupe de parrainage s'il n'avait pas d'accès fiable et abordable à Internet. Donc, IRCC décourageait la soumission de demandes par la poste parce que ça ajoutait une étape supplémentaire, étant donné qu'il faut scanner chaque page de chaque document dans le dossier de demande de parrainage et la convertir en PDF
avant de procéder à l'évaluation de la demande. Donc, ça ajoute encore beaucoup plus d'étapes. Donc, la lecture du code de barre de ce formulaire, le formulaire IMM008, le formulaire générique pour la demande au Canada. Donc, la lecture de ce code, du code à barre, a éliminé le besoin de saisir manuellement les données de ce formulaire. Mais il faut toujours saisir manuellement tous les renseignements des annexes A, annexes 2, de la demande de la personne réfugiée, ainsi que les renseignements contenus dans les formulaires des répondants pour pouvoir les saisir dans la base de données SMGC d'IRCC. Donc, ça prenait un peu plus de temps jusqu'à ce moment. Donc, je vais passer le micro à ma collègue Lydia, qui va commencer à vous parler des nouvelles étapes, donc du portail, comment est-ce que ça va changer les choses et qu'est-ce qui va être inclus. Oui, parfait, Michel. Est-ce que tu m'as passé le contrôle? Je vais passer le contrôle. OK. Voilà, parfait, merci beaucoup. Et là, si tu peux me faire signe dès que mon écran sera visible. Voir votre écran. Parfait, maintenant, donc je vais agrandir. Bon, alors voilà. Merci beaucoup, Michel, pour cette mise en contexte et ce contexte historique. On va maintenant passer à ce qui s'en vient dans les prochains mois. Donc, comme Michel l'a annoncé, cet automne, les demandes de parrainage de réfugiés devront désormais être soumises en ligne par l'entremise du portail de résidence permanente d'IRCC. On ne sait pas encore exactement, comme l'a dit Michel, mais ça sera vraisemblablement dans les 2 prochains mois. Ce portail de résidence permanente, vous le connaissez peut-être parce que c'est le portail dont on se sert pour les demandes de résidence permanente dans presque tous les autres programmes d'immigration au Canada. Donc, si par exemple vous avez parrainé un membre de votre famille dans le contexte du regroupement familial, si vous l'avez fait dans les 2 dernières années, il se peut que vous ayez utilisé ce portail déjà. Et dans ce cas-là, vous serez peut-être déjà un peu plus à l'aise avec ce portail. Donc, il y aura des fonctionnalités qui seront rajoutées pour permettre de soumettre les demandes de parrainage privé de réfugiés. Alors, un des avantages de ce portail de résidence permanente, c'est que c'est un peu un guichet unique. Ça permet de remplir les formulaires, de les modifier et de les téléverser dans un seul endroit. En plus de ça, il y a également d'autres avantages par rapport à ce portail numérique, par rapport au mode actuel privilégié de soumission des demandes, qui est la soumission par courriel. Notamment, le portail permet de transmettre des renseignements privés, confidentiels, de façon plus sécuritaire que l'envoi par courriel. Et le portail devrait normalement permettre de traiter les demandes beaucoup plus efficacement. Par conséquent, on espère que les délais de traitement des demandes en seront raccourcis. Alors, tous les types de groupes de parrainage auront le droit d'accéder à ce portail et on les encouragera à accéder à ce portail, que ce soit des groupes de 5, des répondants communautaires, les signataires d'entente de parrainage et les groupes constitutifs qui collaborent avec eux, ou encore les correspondants qui collaborent avec les signataires d'entente de parrainage. Les partenaires de recommandation d'IRCC pourront également se servir de ce portail. Très rapidement, c'est des organismes qui recommandent les réfugiés à IRCC pour la réinstallation au Canada. Et finalement, si votre groupe de parrainage collabore avec des représentants en immigration, c'est-à-dire soit un consultant en immigration ou un avocat, pourront eux aussi accéder au portail pour travailler sur la demande. Mais peu importe de quel type de groupe de parrainage vous fassiez partie, la première étape, ça sera de créer un compte d'utilisateur dans le portail de résidence permanente.
Alors, on va, en fait, le grand changement que va introduire ce portail de résidence permanente, c'est que ça va changer un peu la dynamique dans le groupe de parrainage, parce qu'il y aura maintenant un répondant principal qui aura certaines tâches très précises dans le portail. On va en reparler en détail dans quelques minutes, mais pour l'instant, je vais vous donner un survol du rôle du répondant principal par rapport au portail en ligne de soumission des demandes. Alors, le répondant principal, c'est la personne qui amorce la demande dans le portail. Par conséquent, le répondant principal aura certaines responsabilités que les autres membres du groupe n'auront pas. Par exemple, le répondant principal est la seule personne qui peut inviter d'autres personnes à joindre la demande dans le portail. Et c'est aussi la seule personne, chose très importante, qui peut soumettre la demande à IRCC. Alors, le répondant principal pourra inviter les autres membres du groupe en donnant leur nom et leur adresse de courriel. Le répondant principal peut aussi inviter le demandeur réfugié, le demandeur principal réfugié, à se joindre à la demande. Mais pour ça, vous allez voir si ça vous convient et si ça convient à la personne parrainée. Ça dépend de si elle a accès à une connexion fiable et stable à Internet. Sinon, il se pourrait que ça soit pas très, très utile pour elle de pouvoir se joindre à la demande. Une fois que d'autres personnes auront été ajoutées à la demande par le répondant principal, chaque membre du groupe ou demandeur ajouté à la demande recevra un courriel émis par le système qui l'invitera donc à ouvrir une session dans le portail de résidence permanente. Alors maintenant, on va voir un peu les facteurs à garder à l'esprit au moment de choisir un répondant principal. Donc, en gros, on va voir qui peut être le répondant principal dans un groupe de parrainage et quelles sont les fonctionnalités auxquelles peuvent accéder les différents membres du groupe en fonction de leur rôle. Alors, dans un groupe de 5, le répondant principal, ça peut être vraiment n'importe quel membre du groupe. C'est pas forcément un membre du groupe qui a une relation particulière avec la personne parrainée. Mais il faut, et on en reparlera davantage, il faut garder à l'esprit que c'est la personne qui amorce la demande et qui, par conséquent, a certaines obligations supplémentaires. Dans un répondant communautaire, je ne sais pas si parmi le public ici, on a des personnes qui parrainent dans un organisme répondant communautaire, mais si c'est le cas, on recommande de désigner une adresse de courriel qui sera consacrée au parrainage dans cet organisme et de créer le compte d'utilisateur dans le portail au moyen de cette adresse consacrée au parrainage. Même principe pour les organismes partenaires de recommandation. Le seul ajout, c'est que l'adresse de courriel utilisée pour créer le compte d'utilisateur devrait correspondre à l'adresse de courriel qui est déjà dans les dossiers d'IRCC. Et pareil pour les organismes signataires d'entente de parrainage, la personne ressource du CEP devrait créer un compte d'utilisateur à l'aide de l'adresse de courriel qui se trouve déjà dans les dossiers d'IRCC. Donc, ça devrait être la même adresse dont se sert actuellement le CEP pour soumettre les demandes à IRCC. Et finalement, si le groupe de parrainage travaille avec un représentant en immigration, donc un consultant ou un avocat en immigration qui aide le groupe à remplir les formulaires et à constituer le dossier de demande, ce représentant-là pourrait agir en tant que répondant principal dans le sens que c'est le représentant ou la représentante qui amorcerait la demande dans le portail et qui inviterait ensuite les membres du groupe de parrainage. Alors, voyons maintenant les tâches de la personne désignée comme répondant principal pour que vous commenciez à voir qui serait un bon candidat dans votre groupe de parrainage pour être le répondant principal.
Alors, je vous rappelle encore une fois, je l'ai déjà dit à quelques reprises, mais je vais le répéter encore quelques fois. La seule personne qui peut amorcer une demande dans le portail de résidence permanente, c'est le répondant principal. Le répondant principal est aussi la seule personne qui peut inviter le demandeur principal réfugié à collaborer au remplissage des formulaires dans le portail. Encore une fois, c'est facultatif d'inviter le demandeur principal en fonction de ses conditions. Ensuite, le répondant principal, c'est le seul membre du groupe qui a le droit d'inviter ou de supprimer d'autres membres. Le répondant principal devra également vérifier que tous les bons formulaires ont été téléversés, que tous les bons documents ont été téléversés dans le portail et qu'il ne manque aucun renseignement important. Donc, que tous les champs de tous les formulaires ont été remplis. Et le répondant principal est la seule personne dans le groupe qui peut soumettre la demande. C'est en fait le seul utilisateur du portail dans le groupe de parrainage qui verra le bouton soumettre. Les autres ne verront jamais ce bouton. Le répondant principal a la possibilité de voir l'état de toutes les demandes. Disons que c'est un parrain, un répondant qui participe à différents groupes de parrainage. Il pourra voir pour toutes les demandes sur lesquelles il travaille si elle est en cours. Et en cours, ça signifie, ça veut dire en cours dans le portail, c'est-à-dire que la demande a été amorcée, mais elle n'a pas encore été soumise à IRCC. Ou si la demande a été soumise, ou si elle a été retournée parce qu'il manquait quelques éléments essentiels. Et on va reparler des demandes retournées dans quelques minutes. Le répondant principal pourra également voir, modifier et aussi supprimer les demandes qui n'ont pas encore été soumises. Il pourra envoyer de nouveau les mots de passe oubliés aux autres membres du groupe. Et il ou elle pourra télécharger un fichier zip du dossier de demande soumis. Donc après la soumission, ce fichier contiendra tous les documents qui ont été téléchargés dans le portail par tous les membres du groupe et par le demandeur principal. Et une chose très importante à garder à l'esprit, c'est que le répondant principal pourra voir tous les documents qui ont été téléversés par les autres membres du groupe. Et parmi ces documents, il y a certains documents qui sont un peu sensibles, disons, qui contiennent des renseignements privés. Donc, ça comprend les documents d'identité, entre autres les documents de statut au Canada, mais aussi les documents financiers. Donc, gardez ça à l'esprit au moment de choisir un répondant principal. On va maintenant voir par contraste qui sont les autres membres du groupe et à quelles fonctionnalités ils ont accès. Alors, les membres du groupe qui ont été invités à la demande dans le portail par le répondant principal dans un groupe de 5, c'est tous les autres membres. Et donc, il faut que le répondant principal invite chacun des autres 4 ou plus membres du groupe de 5. Si vous parrainez avec un signataire d'entente de parrainage, la personne ressource du CEP invitera les représentants des groupes constitutifs qui collaborent avec le CEP ou les autres membres du personnel de l'organisme ou les bénévoles qui préparent les dossiers de demande de parrainage dans un CEP, encore une fois, ou dans un répondant communautaire. La personne ressource, le répondant principal, invitera également les co-répondants qui collaborent avec le CEP ou le répondant communautaire. Et il est aussi possible d'ajouter des représentants en immigration. Donc, les représentants en immigration, vous avez peut-être remarqué qu'on les voit dans deux colonnes. Ils peuvent agir à titre de répondant principal qui amorce sa demande, mais ils peuvent aussi être invités par par le répondant principal. Et ça dépend en fait des choix du groupe de parrainage. Il y a certains groupes de parrainage qui préfèrent remettre toute la responsabilité du dossier de demande de parrainage au représentant en immigration et lui dire oui, monsieur ou madame la consultante en immigration, vous pouvez agir en notre nom et nous représenter auprès d'IRCC et soumettre la demande. Dans ce cas-là, le représentant devrait amorcer la demande. Mais dans d'autres cas, le groupe de parrainage, certes,
veut avoir l'aide d'un représentant en immigration, mais veut quand même retenir le contrôle sur la demande. Alors, le représentant en immigration va peut-être aider à remplir les formulaires, s'assurer que tous les documents sont là, mais le groupe de parrainage veut quand même veut tout vérifier à la fin et veut que ça soit lui qui soumette, lui, le répondant, qui soumette la demande à IRCC. Dans ce cas-là, on recommande au groupe de parrainage de choisir parmi les membres un répondant principal qui invitera le représentant en immigration pour qu'il aide à constituer le dossier de demande de parrainage. Alors, peuvent faire les membres du groupe qui ont été invités par le répondeur principal lorsqu'ils ouvrent une session dans le portail? Ils peuvent créer un compte d'utilisateur. Ils peuvent voir la liste des demandes auxquelles ils ont été invités. Ils peuvent voir et modifier, c'est-à-dire remplir les formulaires des réfugiés. Ça aussi, c'est une caractéristique assez intéressante. Ils peuvent bien sûr télécharger leurs propres documents personnels d'identité, les documents financiers, ainsi que tout formulaire qu'ils remplissent eux-mêmes et qui les concerne, ou tout autre document qui vient appuyer la demande et qui les concerne. Mais par contre, ils n'auront pas la possibilité d'inviter ou de supprimer d'autres membres du groupe. Je rappelle encore une fois que c'est seulement le répondant principal qui a la possibilité de faire ça. Les autres membres du groupe ne peuvent ni soumettre ni supprimer des demandes. Ils ne peuvent bien sûr pas voir des demandes auxquelles ils n'ont pas été invités. Et ils ne peuvent pas non plus voir les documents personnels des autres membres du groupe. Alors, pour récapituler cette grosse diapositive avec beaucoup de renseignements, le répondant principal, c'est la personne qui amorce la demande. Donc, c'est quelqu'un qui devrait être à l'aise avec la technologie. C'est quelqu'un aussi qui devrait être en mesure de gérer tous les documents et tous les renseignements qui ont été téléversés dans le portail. Donc, ça devrait être quelqu'un qui a quand même le souci du détail. Donc, ce qu'on recommande, c'est que les membres du groupe se réunissent pour discuter de cette question et pour choisir un répondant principal qui sera convenable. Et un dernier petit rappel, c'est que le répondant principal peut quand même voir les documents de tous les membres du groupe. Donc, c'est aussi un facteur à prendre en compte dans le choix d'un répondant principal. Alors, je vais maintenant vous donner un survol des principales étapes du travail dans le portail de résidence permanente pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc, une fois que toutes les personnes qui ont accès au portail ont ouvert une session dans ce portail, elles pourront accéder et modifier les formulaires de la personne réfugiée. Ce qui c'est important parce que ça veut dire que si jamais la personne réfugiée ne peut pas accéder au portail ou même si elle peut y accéder mais elle a besoin d'aide, les répondants auront tout à fait la possibilité de l'aider. Quelques petits avertissements par rapport à l'état du portail lors de son lancement. Alors, la grande majorité des formulaires devront encore être remplis sous format PDF, comme c'est le cas de nos jours, puis téléversés dans le portail. Alors, ça comprend tous les formulaires, les trois formulaires du répondant, du groupe de parrainage, ainsi que le formulaire annexe 2 de la personne parrainée. Il y a seulement deux formulaires auxquels on pourra accéder directement dans le portail. Ces deux formulaires qui seront à remplir par la personne parrainée, c'est le formulaire IMM 008, c'est le formulaire de demande générique pour le Canada, et l'annexe A, antécédent déclaration. Ces deux formulaires-là, les champs seront déjà dans le portail. Il suffira de saisir les renseignements directement dans le portail. Mais pour les autres formulaires, il faudra continuer à faire comme maintenant,
remplir le PDF, le sauvegarder sur tout son ordinateur, puis le téléverser dans le portail. On espère qu'un jour, la situation va changer, qu'il n'y aura plus de système hybride, mais pour l'instant, sachez qu'il y a deux formulaires qu'on peut remplir directement. Les autres, par contre, il faut les remplir à l'extérieur du portail, puis les importer dans le portail. Si la personne réfugiée a été invitée à se joindre au portail, elle pourra donc importer son formulaire de l'annexe 2 et tout autre document qui appuie son récit. Et elle pourra également remplir une déclaration en ligne et signer de façon électronique le dossier de demande pour confirmer que tous les renseignements sont exacts. Mais si par contre la personne que vous parrainez n'est pas invitée au portail pour une raison quelconque, soit parce que elle n'a pas accès à une connexion Internet fiable ou elle n'est pas à l'aise avec les ordinateurs, ou encore elle ne maîtrise pas suffisamment le français ou l'anglais, ça n'est pas grave. Comme on l'a dit, les répondants peuvent remplir les formulaires à sa place, en autant que à condition que ça corresponde aux expériences de la personne réfugiée. Mais en ce qui concerne la signature de la personne réfugiée, les répondants devront imprimer une page de déclaration qu'ils vont envoyer à la personne réfugiée, qui la signera au stylo et qui la renverra aux répondants, qui devront ensuite scanner le document puis le téléverser dans le portail. Alors, comme je vous ai averti tout à l'heure, le répondant principal a aussi la tâche de vérifier que la demande est bien complète et conforme aux exigences d'IRCC. Le répondant principal est le seul à pouvoir soumettre la demande à IRCC. Et une fois que la demande sera soumise par l'entremise du portail, IRCC fera une première vérification pour s'assurer que la demande est bel et bien complète et que les agents d'IRCC auront tous les renseignements essentiels dont ils auront besoin pour pouvoir évaluer la demande. Si jamais il se trouvait que IRCC jugeait que la demande était incomplète, si par exemple le mauvais formulaire a été importé dans le portail ou si à la place d'une version numérisée du passeport ou d'un des membres du groupe de parrainage, il y a une page blanche qui s'est glissée par erreur, le répondant principal recevra un courriel d'IRCC à l'extérieur du portail qui lui dira qu'il ou elle doit ouvrir une session dans le portail pour rectifier certains renseignements ou pour ajouter des documents. Donc, le courriel sera assez détaillé. Les fonctionnalités de modification de la demande seront temporairement déverrouillées pour que le répondant principal puisse faire les changements. Parce que sinon, normalement, on le verra, on n'aura plus la possibilité de modifier la demande une fois qu'elle sera soumise à IRCC. Mais une fois que les renseignements supplémentaires auront été ajoutés ou les documents supplémentaires auront été importés, le répondant principal devra resoumettre la demande à IRCC. Et une fois que la demande sera jugée complète, à ce moment-là, un agent d'IRCC va saisir tous les renseignements qui se trouvent dans tous les formulaires des répondants ainsi que dans l'annexe 2 de la personne réfugiée pour les entrer dans la base de données d'IRCC, le SMGC, le Système mondial de gestion des cas. Par contre, en ce qui concerne la bonne nouvelle, c'est que pour les formulaires IMM 008 et l'annexe A de la personne réfugiée, puisque ces formulaires-là auront été remplis directement dans le portail va les transmettre directement à la base de données d'IRCC. Alors, ça sera un peu plus simple et un peu plus rapide pour ces deux formulaires-là.
Une fois que tous les renseignements auront été saisis dans la base de données de l'IRCC, un numéro de dossier sera émis, c'est le fameux numéro G, et le traitement de la demande commencera officiellement. La demande sera horodatée au moment où tous les renseignements auront été saisis dans la base de données et elle sera traitée en fonction du principe du premier arrivé, premier sorti. À partir de cette étape, toute la communication avec IRCC se fait à l'extérieur du portail par courriel. Alors, si IRCC a besoin de renseignements supplémentaires, il enverra un courriel au répondant. Et les répondants ne pourront plus faire de modifications à la demande dans le portail. Alors, si par exemple, vous voulez avertir IRCC que vos coordonnées ont changé, ou que le demandeur principal a déménagé, il faudra le faire à l'extérieur du portail, par courriel ou par formulaire web, en suivant les directives qui se trouvent dans les guides de demande de parrainage rédigés par IRCC. Pareil, si vous voulez ajouter un membre de la famille à la demande de parrainage, par exemple, si la personne réfugiée s'est mariée ou a eu un enfant, vous ne pouvez pas le faire par l'entremise du portail. Il faudra communiquer avec IRCC par courriel en suivant les directives qui seront bien décrites dans le guide de demande de parrainage. Alors voilà une petite enveloppe pour souligner le fait qu'il faut à partir de ce stade-ci communiquer par courriel avec IRCC. Malheureusement, il n'y a pas à ce stade-ci de fonctionnalité pour envoyer des messages à IRCC par l'entremise du portail. Alors, vous avez probablement plusieurs questions sur ce portail et je vais vous donner la parole dans quelques minutes, mais on a anticipé quelques-unes de vos questions. Alors, je vais les présenter d'abord avant de vous donner la parole. La première question que vous vous posez peut-être, c'est comment est-ce que je peux accéder au portail? Est-ce que j'ai besoin de matériel spécial? Alors, n'importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile, dont les téléphones cellulaires, feront l'affaire. Vous pourrez y accéder à partir de n'importe quel de ces appareils-là. Il vous suffira d'avoir accès à Internet et à un navigateur web comme Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou encore Safari pour les appareils Mac ou Apple. Revoilà à l'écran l'adresse à laquelle vous pourrez accéder au portail. Encore une fois, comme Michel l'a dit, le portail n'a pas encore été activé, ou du moins la partie du portail qui concerne les demandes de parrainage privé des réfugiés n'est pas encore activée. Alors pour l'instant, vous ne pouvez, même si vous vous rendez sur ce site web, vous ne pourrez pas encore soumettre de demande de parrainage par l'entremise de ce site web. Mais ça viendra et on vous tiendra bien informé. Deuxième question, comment vont faire les répondants qui ne se sentent pas à l'aise avec l'informatique? C'est une très bonne question. Et IRCC reconnaît que le lancement de ce portail numérique pourrait représenter un obstacle à l'accessibilité pour certains clients. Par conséquent, les demandes envoyées par la poste seront toujours acceptées. Je vais juste, je vois quelques messages, donc ça va. Les demandes envoyées par la poste vont prendre un peu plus de temps à traiter parce que comme on l'a vu dans la partie historique que Michel nous a présentée, il faut quand même toujours scanner chaque page de chaque document. Donc ça prend un peu plus de temps. Sachez tout de même qu'on ne pourra plus soumettre de demande par courriel une fois que le délai de grâce sera terminé et on vous confirmera la date de clôture du délai de grâce. Et une dernière petite remarque, un petit rappel plutôt par rapport aux demandes soumises par la poste, c'est que les formulaires doivent quand même être tapés à l'ordinateur. Les demandes où le formulaire a été rempli à la main ne sont pas acceptées, même maintenant. Et dernière question,
que vous posez peut-être maintenant, c'est comment obtenir de l'aide avec ce portail numérique? Qu'est-ce qui se passe si on a des problèmes techniques au moment de soumettre la demande? Alors, il y aura plusieurs ressources pour vous aider, pour faire la transition, ne vous en faites pas. Premièrement, les guides d'IRCC donnant les directives pour soumettre les demandes de parrainage sont en train d'être révisés en ce moment. Ils seront publiés en ligne au moment du lancement du portail. Donc, vous pourrez lire clairement les instructions dans les guides. Si jamais vous avez des pépins techniques lorsque vous êtes dans le portail ou encore pire au moment de soumettre la demande, ce qui malheureusement arrive, dans le portail lui-même, vous aurez des instructions pour signaler un problème technique à IRCC. Il faudra le faire au moyen de formulaires web vous aurez aussi des liens pour les formulaires web dans le portail lui-même. Et on nous a dit que on accordera, on mettra en priorité les demandes d'aide technique. Alors, vous devriez quand même recevoir une réponse assez rapidement si vous avez des problèmes techniques. Et finalement, le PFPR va également, créer des ressources pour vous appuyer lors de cette transition. On aura un deuxième webinaire qui sera un peu plus concret que celui-ci. Celui-ci, on l'accorde, est assez vague et il est plein de promesses, mais on aura un webinaire de visite guidée dans quelques semaines ou mois, où là, vous pourrez vraiment voir à quoi ressemble le portail et comment soumettre une demande. On aura aussi un webinaire sur les nouveaux formulaires et les nouveaux guides qui vont accompagner le lancement du portail. Et on va aussi créer de petites capsules vidéo pour démontrer certaines actions dans le portail, comme par exemple comment créer un compte utilisateur, comment ouvrir une session dans le portail. On va les mettre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre site web. Et finalement, il y aura aussi un document de questions posées fréquemment qu'on va partager sur notre site web. Je vais juste dire deux mots sur les webinaires à venir parce que certains d'entre vous savez peut-être que ces webinaires étaient prévus pour le mois d'octobre, mais on nous a demandé de les reporter. On ne sait pas encore la date exacte à laquelle auront lieu ces webinaires qui étaient prévus pour le mois d'octobre, mais on ne vous oubliera pas, ne vous en faites pas. On enverra un courriel à toutes les personnes qui s'étaient déjà inscrites à ces webinaires pour confirmer que les webinaires ont bien été reportés. Et lorsqu'on aura les dates et les nouveaux liens d'inscription, on vous les enverra. Et d'ailleurs, on enverra ces liens d'inscription à toutes les personnes ici présentes aujourd'hui dans cette séance. Alors, ne vous en faites pas, on vous tiendra bien informé de tous les renseignements à venir dans les prochaines semaines. Alors, sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, je vais vous passer la parole. Je vois qu'il y a quand même quelques questions dans la boîte à questions. Mais juste avant ça, je vais juste vous rappeler que même si on ne répond pas à toutes vos questions aujourd'hui, vous pouvez toujours nous appeler ou nous écrire.